nous franchirons, nous ferons les dernières foulées dans la confiance et l'amour devant le Seigneur. N'y est pas le moment de bien citer les pays à la vie à la semaine, à la fois de semaine, de vos semaines, les petits mamans, le ciel, peut-être ma mère, à Paris, maintenant, le peuple solennel. Michou, minha casa.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. L'homme-là ne gagnait à la part nous pour vous. Mitri nous font. Mille de lui, il a dit. Il y a peu l'homme-là qui a mis au haut. Là, il y a au fond, il y a des gars qui l'ont. Mitre, il y a mis au haut. Mille de lui, il y a au fond. Mais il y a peu de gars qui sont dans le cas. Le dessin, l'homme, le cas m'a fait le cas. Et il y a une joie pour le cas. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Sinon, Christ y est souvent de là. Nan, y aura bien. Amen. Seigneur, nous voulons en ce moment avoir le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre égoïsme, notre convoitise. Notre hypocrisie, notre amour à faire le mal.
prochain. Et que sais-je encore? C'est vrai que nous cultivons toutes ces compositions qui peu à peu nous éloignent de ta volonté, Seigneur, et qui empoisonnent notre vie sociale en la rendant chaotique. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Seigneur, nous te prions de nous purifier de nos péchés. Que ta vie éclaire notre nuit. Que ton pardon guérisse nos compromissions. Que ta vérité triomphe de nos austérités. Oui, Seigneur, nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ, qui a offert sa vie en sacrifice et en qui nous avons tout pleinement. Et que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen.
et dit à ceux qui sont venus ici, bien donc à attendre le même temps. Si à même temps, on peut venir avec eux, mettons le dodo pour avec eux, pour nous, avant la fiche. Il y a un peu mon propre attendre, et il y a un autre. Il y avait un dodo. Elle dit tous les miens à la peau. Il n'y a que mon papa les bien si. Elle est comme toi, que le même, que le peuple nous y a fait, les gabouillots qu'on a, les négres qui y est même, qu'elle est bon pour me là, il y a des peu de gens qui avaient, n'en est pas trop. Et même nous, au bien que même les filles, n'a ni à faire. Le bestiaire, on l'a mis dans le boulot à l'élément aussi. Il y a ton moyen, mon bon, le conseil. On fait quand même quelque chose dans le confinement alors qu'on est sorti du confinement. C'est la situation qui nous pose. Nous rendons grâce à Dieu, nous avons cette confiance que ce qui nous a emprisonnés presque. Pendant 9 mois, les 3/4 de cette année, ce virus pour lequel l'intelligence humaine n'a pas encore de solution. Quelqu'un a une solution. Nous n'avons qu'à croire et espérer que 2020, une année pas très normale, pas du tout normale d'ailleurs, qui tire vers sa fin. Nous porterons à l'ouvert 2021 dans quelques minutes ou dans quelques heures. Mais sur le plan matériel, certains que rien ne changera dans les minutes qui viennent. Mais sur le plan cosmique et spirituel, certain qu'une force agit et agira et nous portera durant cette année nouvelle. Ayons confiance. Persévérons dans la prière. Agissons dans les moindres détails. Faisons ce qui est de notre part. Soyons vigilants et protégeons. Et Dieu fera le reste. Bienvenue les miens bons. Tout bien me dit bien, bon mon monde. Mon bon bon bon. Et les miens t'en bien bon. Et les miens les miens n'ont pas l'outil dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en œuvre, les pauvres communs, et les cantons, il y a d'abord la main de l'État. Il m'a demandé pour les pleurer de mourir, un peu comme ma mère, ma mère dit au tard, à Balé, au Yéna, même beaucoup au tard, ma mère venait à nous mourir, et son le même l'air. Quand si la Yéraï, et dit, les tiens peuvent la boîte, les liens, Il se déplace avec les pieds,
l'intérêt de tout ce que nous récolterons cette année comme don servira à lui faire une prothèse. La facture qui nous est parvenue est autour d'un million, pratiquement autour d'un million de francs CFA, donc autour de 1500 euros. Nous avons eu un temps, il y a l'association du CFA pour le bonheur, il y a un monde, il y a un temps à s'occuper, il y a nos missions. Le caractère de l'outil de bien-être. Et bien, tu vois que la main de Madame Wadoumou et tu te dis, voilà, tu vois, tu viens de ta bima, et ta bien aimé à Yom, et bien bien, bien fait, mon milliard, pour toi, et bien bien, nana, oui, tu vois, 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 tu seront faites par M. Sambi en français et M. Adoumé en anglais. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs et nos esprits à l'écoute de sa parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, au moment où nous allons ouvrir les pages des Saintes Écritures, nous te demandons d'ouvrir par ton Saint-Esprit nos esprits, cœur et notre intelligence à la compréhension de ta parole. Fais-nous la grâce de l'écouter avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et la volonté de pratiquer ce qu'elle demande. Amen. Trois textes nous sont proposés pour notre méditation. Le premier tiré du livre d'Isaïe, chapitre 61, les versets 10 à 11. Le deuxième de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 21. Je vais vous lire, le pasteur vous lira lui-même après le texte de l'Évangile tiré de Matthieu. Matthieu chapitre 2, les versets 13 à 15. Écoutons la parole du Seigneur. Ésaïe 61, versets 10 à 11. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 21. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu
dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'écrisse pas contre elle. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Bye.
Matthieu Moulinet. Matthieu t'a venu à son coup, lui est ton lien à la série, à ton lien. Écoutons la lecture de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 à 15. Matthieu 2, 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Que si aujourd'hui, là, voilà, après ton peu dollars, de l'officier à Joseph, de notre peuple, le même fort, Nathan, le village, le Zadar, et ainsi à l'Égypte. Et maintenant, un Afima va se laisser ma couleur n'a ouvert la peine. Hérodès, il a dit le Yahweh. Il a dit le Yahweh. T'étais au fond. Et au bout de l'Église, le Dada, le Samen, le Zoli, l'Égypte. Et au nom Afima va se laisser Hérodès, le tout même. Maintenant, il y a si, après toi la gloire. Mes chers amis, le thème de ce jour ou de cette nuit est: tu es établi pour une vie sociale harmonieuse. Et bien sûr, le présent de Montagna, il y a des choses qui ont été en train de se faire, mais il y a des choses qui ont été en train. Je lisais quelque part ces paroles: quand on a une vie meilleure que les autres, on construit une table plus longue, mais pas une voiture plus haute. Quand on a une vie plus meilleure que les autres, on construit une table plus longue, pas une voiture plus haute. Aujourd'hui, tout le contraire nous enferme. Et les murs prennent des dimensions inimaginables. Si on veut les faire tenir jusqu'au ciel, ils tiendraient. C'était déjà comme ça. Et particulièrement ces derniers temps arrive ce grand malheur qu'est la COVID-19. Il met toutes les fermetures qui nous enferment et ferme les frontières. Tout ceci ne favorise ni n'arrange la vie en société, et particulièrement une vie harmonieuse en société. Ainsi s'accentue la peur et le rejet de l'autre, avec toute la violence que cela engendre. Le repli sur soi, la domination des économiquement forts sur les faibles, le recul de la justice, des droits humains, de la liberté des peuples, avec le retour de la répression dans la violence, le retour en force de la dictature un peu partout sur notre planète, même quand ça revêt les habits de la démocratie. Face à un tel tableau, pourrons-nous chanter comme Israël?
louange et l'hommage à Dieu, comme Ésaïe le faisait entendre tout à l'heure dans son 61e chapitre, verset, le 61e chapitre. Pouvons-nous encore vous souhaiter, comme les années passées, de bons vœux dans cette fin d'année, tout à l'heure, à la fin d'année, vous dire, allez, les vœux qu'on se souhaite, une bonne année. Une bonne année 2021. Je m'imagine ce que peut penser tout le monde. Mais moi, je n'hésiterai pas à dire de façon spontanée, qu'est-ce que je peux souhaiter? Que du bien. Une forte espérance et une grande confiance. Retrouver une grande confiance. Confiance en quoi ou en qui? Confiance en notre intelligence qui nous a mené là où nous en sommes aujourd'hui? Ou confiance en l'un tout autre? Je ne saurais répondre si ce n'est confiance en Dieu. Nous ne sommes pas à observer les choses, nous ne sommes pas dans le pire. Il y en a un pire dans le passé, il y en aura toujours. Et déjà au temps de la naissance de Jésus, la Palestine était sous domination romaine et leurs conditions n'étaient pas les plus simples. Voyons ce qui était arrivé à la naissance de Jésus. La Palestine était sous domination romaine. Un pouvoir répressif, autoritaire, qui n'hésite pas, même pas à s'en prendre à des enfants, à commettre des infanticides à cause d'un enfant qui venait de naître. Le pouvoir ressent une menace, le pouvoir politique ressent une menace et décide de l'élimination, de l'extermination de tous les enfants. Garçons. Et Joseph, dans tout ça. Joseph veut se dire, quel diable d'enfant vient perturber ma quiétude. Moi, j'avais souhaité que vous ayez ma vie, tranquillement. On faisait notre petite vie. Et voilà, lui est imposé une femme enceinte. Pour pouvoir sauver cette femme, il accepte. Sur le plan social, pour pouvoir la sauver, il accepte. Pire encore, il devait s'exiler, partir quitter sa terre à cause de cet enfant-là, qui n'est même pas le sien. Quel diable d'enfant pouvait-il se dire? Obligé d'endosser la paternité de cet enfant qui le met sur le chemin de l'exil. Pauvre Joseph. Et parce qu'il s'est engagé, Joseph va assumer cette situation jusqu'au bout comme bon chef de famille, bon époux et bon papa. Et c'est ainsi qu'il va éduquer cet enfant comme il le veut jusqu'à un certain âge. Il va lui donner une éducation responsable pour leur enfant premier. Jésus se révélera un enfant précoce, en décalage avec sa société, portant le souci du prochain comme priorité à sa vie. L'amour, la justice, la paix, la bienveillance, la bonté, l'humilité, la miséricorde, la patience, voilà ce qu'il marche. De quoi il va arriver? Certes, c'est des valeurs fruits de l'Esprit de Dieu. Mais avant tout, c'est des valeurs aussi qui sont transmises dans l'éducation au sein de la famille. Comment serait-il pour un enfant qui n'a pas été confronté aux subtilités, complexités de vie, de fratrie? Comment en serait-il pour lui s'il devait, cet enfant-là, vivre une vie sociale normale et harmonieuse? Le risque de ne pas y parvenir est très grand, est très élevé. Or, comme le souligne le thème, toi, moi, nous sommes appelés à une vie sociale harmonieuse et apaisée. Et en réfléchissant ça, tout me renvoie à mon parcours de vie. Depuis, on vieillit maintenant.
ménage, plus on prend le temps de revoir le film de sa vie aussi. Et puis, les temps deviennent difficiles. Et la COVID qui nous enferme chez nous, on prend le temps de repasser le film de sa vie. Et en repassant le film de ma vie, je me suis arrêté à des stades qui rejoignent ce thème. Des stades, des événements, des états de la vie et des événements de la vie qui construisent l'être humain. Et en remontant cette enfance, je vois cinq marqueurs. Et le premier marqueur, je dirais, c'est les contes. C'est les contes, entre autres. Je le choisis comme ça, ce n'est pas le prioritaire. Le premier marqueur, c'est les contes. Et puis, l'autonomie. Les contes, on se rappelle de cette époque où le samedi soir, on devait être recueillis quelque part en groupe, entre enfants et adultes, à écouter des contes. Et ces contes avaient un objectif, c'est de nous donner les valeurs de la vie, nous transmettre les valeurs de la vie en société. Après, on ne comprenait pas grand-chose, mais après, en les renouvelant, en les repassant, on se rend compte que c'était une école. Les contes. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Pour attendre la vie, papa Ibé, papa Alain, pour Véloca, et bonjour, une autre catégorie.
aussi le jeu. Ah, mais aussi, il y a des gens qui mais aussi, il y a des gens qui ont fait nous, on doit les 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 gens qui ont fait nous, on en même temps, ceux qui sont n'ont pas le moyen, ce sont des enfants qui cherchaient, qui construisaient eux-mêmes leurs jouets. Par récupération de tout ce qu'on peut trouver sur les dépotoirs. Et le jeu se faisait de façon collective. La société éduquée. À tout le monde, nous sommes les mêmes. Pour les mêmes. Il y avait d'autres catégories. L'école. L'école était notre marqueur qui est le prolongement de l'éducation à la nation. Particulièrement dans les écoles confessionnelles, ce n'était pas que l'instruction, c'était l'éducation. Et on a des choses doctrines à mes yeux. C'est un système qui ne fait plus attention au prochain. Et
Et vidéo, vous voyez, 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 vous voyez
ne peux pas dire que je 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 ne peux
Esaïe a rapporté, chanter des chants de gloire du Seigneur. Parce que nous espérons en lui, nous croyons en son amour. Nous croyons en cette flamme d'espérance et de confiance pour 2021 et au-delà. Salut, louange, réjouissance sont encore possibles. À condition que nous revenions au Seigneur, à ses préceptes, et nous laisser guider par sa lumière. Il a cette lumière que nous tirons de quoi pouvoir pleurer. Et que notre cœur soit habité par la certitude qu'après chaque intempérie se lève un arc-en-ciel. La route. Thank you.
les épargne de liberté et qui sont en souffrance. Leurs dirigeants qui de plus en plus utilisent la force et la répression pour les dominer, parce que partout, ils perdent le contrôle de leur mission. Seigneur, nous voulons te confier le monde, les dirigeants et les peuples. Que ton bien dit de bien, les voulons de la bagne, mais il y a tout le corps qui attend, le cœur qui attend, tout le monde, Malaisie, pleurer, pleurer, qui attend, le jojo. Lumière des éclairs pour construire un monde
où il faut faire bon vivre. Un monde où plus personne ne choisira de mourir pour des illusions. Qu'ils entendent ta voix et qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Seigneur, toutes nos sources sont en toi. Donne-nous un avenir à espérer en cette nouvelle année. Amen. Amen. Un avenir à espérer. Nous avons toutes les raisons d'espérer. Thank you.
Allez tuer, allez tuer. Thank you.
Il y a à 10 y a 10 nos vies. Voilà, tout si ma nous a elle a bien à la mais y a ta les Amen.